les amis, c'est Infamous Ghost, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va très très bien, je suis juste en train de péter de chaud comme vous l'avez deviné en voyant la vidéo setup il y a 2 minutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une tentative d'ENA en capture du drapeau sur instinct. Alors je joue avec la RX-160 Steel Bite si je me trompe pas. Alors évidemment, quand je dis tentative, c'est forcément c'est tentative, c'est-à-dire où je l'ai ou je l'ai pas. Je peux très bien mettre un gameplay où je crève à 29, comme je peux très bien faire un gameplay où je la mets. Donc là-dessus, je laisse la surprise. Écoutez, donc j'espère que ça passe très bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances. Moi, on est le 4 juillet, je meurs. Franchement, aujourd'hui, il fait 34 degrés, comme j'ai dit dans la vidéo. Personnellement, je suis en train de crever de chaud, je suis habillé en noir. Donc quand vous allez dehors pour manger, vous êtes mort. Franchement, vous êtes mort. Enfin bref. Donc je disais, on arrive... Oh, non c'est bon, je pensais que la play avait frisé, non c'est le jeu qui bug un peu, c'est rien. Alors le gameplay n'est pas en live malheureusement, parce que de toute façon, je l'ai réalisé il y a 3 jours. Alors désolé si je me frotte un peu le visage souvent. Il fait vraiment chaud donc je transpire, c'est juste affreux. Heureusement le casque, il tient pas chaud. Ça c'est l'avantage de l'Astro, c'est que même s'il est un peu volumineux comme vous allez voir, c'est pas un casque qui va vraiment vous coller la peau, enfin il colle sur la peau parce qu'il tient bien. Mais il va pas être là... Comme j'avais la Triton avant, j'avais un Triton, j'ai encore mon Turtle Beach qui est là-bas dans le coin. Ici c'est de la mousse, mais le Triton c'était plus du cuir et ça collait vraiment. Ouais. Vous transpirez comme un bouc, c'était vraiment affreux. Enfin, soit. Donc je vous parle un petit peu d'un truc. Donc comme je disais dans mon setup il y a 2 minutes, on est quasiment à 7 ans d'abonnés, ce serait bien d'arriver aux 100 abonnés. Je vous invite énormément à aller voir ma vidéo Un glaçon dans le caleçon. C'était vraiment assez marrant, j'ai fait ça avec un de mes meilleurs potes. On s'est vraiment pris une barre, mais titanesque, on n'en pouvait plus franchement. Bon, faut dire, c'est vraiment bien gelé, donc j'explique un petit peu le concept pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai fait une partie en live sur Call of Duty Advanced Warfare. Ici, Novo, lui, était à côté de moi sur une chaise. Et alors, au passage, Deplo. Faut voir que je précise que j'ai joué contre Deplo. Ça, c'est sûr et certain, je me suis tapé les plus gros blaireux de la planète. Enfin, les plus gros blaireaux, pardon. Donc, je disais, il était assis sur une chaise. On jouait tranquillement et tous les 5 kills, il devait prendre 2 glaçons de mon frigo, enfin de mon congélo, et les foutre en bouche. Et moi, toutes les 2 morts, je prenais un glaçon, je mettais dans mon calbut. Et croyez-moi que même un glaçon dans le caleçon, ça vous gèle les parties d'une de ses puissances. C'est incomparable. Pour ceux qui ont déjà plongé dans une piscine d'eau froide, vous savez, quand la piscine est bien fraîche, parfois dans le jardin ou quoi, et que vous êtes dedans, vous êtes mort gelé, bah, croyez-moi que le glaçon à cet endroit-là, c'est encore pire. Allez. Je veux dire, vous avez déjà vu forcément quand vous êtes dans une eau très très froide, etc. Bah forcément votre sexe il a tendance à rétrécir un petit peu avec la fraîcheur. Bah croyez-moi, avec les glaçons, il disparaît. C'est tellement que vous ayez un énorme sexe ou un petit ou un moyen, peu importe, il disparaît tellement il se crispe sans mourir. Franchement, c'est une douleur atroce. Ça pique, c'est froid. Enfin bref, on va s'attarder là-dessus. Alors, je vais quand même vous dire si je joue avec la Steel Bite ou le Puncher. Maintenant, je ne sais plus. Je dirais plutôt la Steel Bite. Si jamais je me trompe, de toute façon vous me corrigerez, limite on verra bien dans le gameplay. Alors pourquoi j'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pas vraiment joué l'objectif ici. Faut savoir que d'habitude moi je suis plutôt le mec qui va chercher les drapeaux, etc. Là je me suis dit, j'étais avec mon pote, il m'avait dit ouais mec si tu fais une DNA, parce qu'on faut savoir qu'on venait de faire le défi un glaçon dans le caleçon. On venait de le faire. On l'avait fait à 14h30, 15h ici, il a été plus ou moins 17h. On s'était dit, enfin il m'a dit si tu fais une DNA, le seul glaçon, parce qu'il faut savoir qu'il en restait quand même pas mal. Je le bouffe entièrement. Je me suis dit, c'est trop tentant, on va quand même essayer de replonger un petit peu, enfin, de faire redurer le plaisir, c'était bien marrant. Franchement, ça tapait des barres. Donc je m'étais dit, je vais pas pour une fois, je vais pas attaquer. Malgré que ce soit des plots, je me dis, je vais défendre. Je suis quand même déjà du 18-1, alors c'est pas tellement excessif, c'est déjà un chouette score, mais bon, voilà. Je fais comme du 18-1, c'était déjà pas si mal. Et je me dis, je vais défendre. Parce qu'il faut savoir que moi, je vais pas me jeter des fleurs, mais bon, pour ceux qui me voient souvent jouer ou quoi, comme les membres de mon clan, j'ai un niveau assez élevé, enfin, comme toute personne qui joue beaucoup au jeu, c'est un petit peu logique. Mais je veux dire, je suis extrêmement fort en attaque. Pour attaquer une bombe, attaquer un drapeau, un satellite, en lisant un satellite, je suis une machine. Enfin, sans parler, je veux dire. D'ailleurs, je vous montrerai prochainement un gameplay en lisant satellite. Je pense que j'ai fait le record, pas dire le record du monde, mais. Enfin, si j'avais le record du monde de la stupidité avec moi. Les équipiers, c'était. Je veux dire, les ennemis que j'avais là, c'était 1000 fois pire dans mon équipe la partie d'après, quoi. C'était aberrant, franchement c'était aberrant. Alors, on en est où dans le gameplay en fait? J'essaie un peu de me repérer quand même. Dommage, le Sting Gun n'a pas pris. Enfin bref, donc je voulais dire, on arrive aux 70 abonnés. Si on pouvait monter aux 100 abonnés, 200 abonnés, ça serait vraiment super cool. Faut savoir que moi, anciennement, donc avec mon ancienne chaîne YouTube qui était une de 2K25, j'ai quand même bien monté, j'ai fait quelques vidéos, puis hop hop hop, ça. J'ai vraiment stagné jusqu'aux 100 abonnés, et puis j'espère que ça va être pareil ici, parce qu'il faut savoir.
trouve ça bizarre, mais une fois que vous avez dépassé le stade des 100 abonnés, prenez facilement au plus un abonné jour. Par jour, du moins. Je m'explique. Quand je suis arrivé aux 100 abonnés, j'ai fait une petite vidéo spéciale sur les abonnés sur mon ancienne chaîne. Voilà, sans plus. Et puis du lendemain, j'ai vu plus un abonné. Et l'on a encore un, encore deux, hop, plus un, puis plus deux, plus trois. Vous voyez, au fur et à mesure, entre guillemets, Audimat remonte. Et puis je suis arrivé, genre, j'avais mis un an pour arriver aux 100 abonnés. Et ben, je sais que j'ai eu, genre, le 25 décembre, c'était le coup de bol, je veux dire, je suis né le 25 décembre, j'ai peut-être eu quoi, 16 ans à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, c'était à 3 ans, quoi, enfin, 2 ans et demi. C'est que le 25 décembre pile poil j'ai eu mon 7ème abonné. Alors est-ce que c'était fait exprès ou pas je sais pas, mais ça m'a vraiment fait plaisir de me dire allez mon anniversaire j'ai 100 abonnés, j'ai mis un an pour avoir 100 abonnés, et ben le fin janvier du après mes 100 abonnés, un mois après j'étais déjà aux 200. Je vous imaginez comment c'est monté sans aller. J'avais pris 100 abonnés en un an, et puis je suis passé à 100 abonnés en un mois. Et hop, et au fur et à mesure, hop, je suis passé sur code CF, je suis arrivé à 500, 600, 700, 800. Et puis malheureusement, il y a eu le problème de YouTube, les mises à jour, etc., qui ont privilégié les gros YouTubeurs aux plus petits, et puis bah, putain, moi j'ai sombré dans l'oubli. Voilà. Vraiment dommage. Alors, si vous avez remarqué, j'étais déjà à 31 à la fin de la première mi-temps, j'étais peut-être à 32-1, 33-1. Là, mon pote, il devait se dire, putain, mec, je suis à 26 kills, plus ou moins, 26 d'affilée ou 27, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que, regardez bien, quand on est gourmand, on meurt à 29. Voilà. 33-2, j'avais fait 4 kills, donc je suis mort à 29. Ma DNA a été fail, malheureusement, à 29, vous imaginez même pas. Bon, personnellement, j'étais pas tellement dégoûté, parce que vu comment je jouais, je veux dire, je me foulais pas le cul, je sais. Un petit peu vulgaire, mais c'est pas un gameplay comme si j'affrontais des mecs qui sont prestige 25 ou quoi, là c'était vraiment des plots. Je veux dire, façon de parler, je me touchais la nouille en jouant, quoi. Je veux dire, regardez, c'était plus une balade sur le petit carré au milieu de la map, enfin, le petit temple du centre. C'était plus une balade sur le toit en tuant 2-3 mecs qu'un gros rush, etc. Vous voyez, ça m'a vraiment fait rire, quoi. Mon pote était forcément, il était là. Oh, putain, mec, t'as fait faire la DNA, etc. Et d'un côté, il s'est dit ouf, sinon il se prenait sur le glaçon dans la gueule, mais. En même temps, il a dû se dire, putain, c'est quand même dommage, hein, putain, très beau gameplay, etc. Je me dis, je vais quand même l'enregistrer pour la mettre sur YouTube, c'est un beau gameplay. Bon, voilà, forcément, c'est des plots en face, bon, c'est pas toujours joué. Je précise, c'est pas du reverse boost au cas où, je suis contre ce genre de pratique. Enfin, c'est pas vraiment, pour moi, je pense qu'un gameplay, qui doit être se mettre sur YouTube, doit être mérité, je veux dire. Alors, c'est pas en faisant même 5 DNA en jouant contre des mecs qui imitent. Ont pas d'armes, voilà, c'est 5 DNA par exemple dans la même game, enfin c'est un exemple, hein, mais c'est 5 DNA dans la même game, mais en attendant, c'est pas vraiment, c'est pas valorisant, quoi. Autant je préfère encore mettre, même ici comme le gameplay où je foire une DNA, mais où je fais un beau gameplay, je kill les mecs et tout, je cherche vraiment les mecs, qu'un gameplay où je reste dans un coin, j'attends gentiment, ou alors les mecs qui viennent devant moi, ils tirent en l'air du boost, quoi. Savoir qu'à une certaine époque, le boost c'était quelque chose de titanesque du temps de Modern Warfare 3 avec les codes QG et tout. Le nombre de mecs qui voulaient faire des triples MOAB, des clans MOAB, et bizarrement à chaque fois on trouvait toujours que c'était boosté. Ça c'était aberrant. Faut savoir que pour mes 500 abonnés, moi j'ai une ancienne chaîne YouTube, j'avais fait un défi, c'était une cuillère de moutarde à chaque mort. Et la moutarde avec un petit point d'harissa était bien corsée. Et pour mon pote qui était à côté de moi, c'était une cuillère de moutarde tous les 2-3 kills, un truc ainsi. Faut savoir que j'ai fini le pot de moutarde à moi tout seul, parce qu'une fois que vous faites tuer, vous prenez la cuillère, vous faites retuer en sortant, vous, hop, ainsi de suite, j'ai fini avec un pot de moutarde complet, j'avais les lèvres, j'étais blanc comme un mort, j'avais des lèvres gonflées, etc. Bon, ici je suis blanc, mais bon, il y a contre-jour. Mais je veux dire, j'étais gonflé, j'étais vraiment malade, limite, je m'étais rendu malade pour la vidéo. J'ai fait pas mal de vues et tout, c'était bien, et puis il est arrivé un vieux pecno qui a dit que c'était du boost, c'était quelqu'un qui avait pris machine en chasse. Ce type, je sais pas ce qu'il fait Banjo pour l'emmerder, je sais pas, il s'est toujours détesté, il est peut-être jaloux, je ne sais pas. Et il s'était fait plein de comptes, vous voyez, c'était genre le mec qui faisait plein de comptes. Il mettait un commentaire sur ma vidéo, genre espèce de bâtard, ton gameplay il est boosté. Il mettait un pouce vert sur son commentaire, sur son propre compte, et avec tous ses comptes, ils allaient mettre des pouces verts. En gros, forcément, vous arrivez dans un gameplay, vous voyez, ouais. Alors je vais dire le commentaire, c'était, soi-disant, c'était de la moutarde. Ce n'était pas de la mayonnaise, c'était de la moutarde. On avait bien montré le pot de moutarde avant, etc. Mais c'est pas grave, c'était de la mayonnaise. Donc, alors j'étais passé sur une chaîne communautaire. La chaîne communautaire ayant vu 15 pouces verts sur un commentaire avec ouais, c'est pas de la moutarde, c'est de la mayo, etc. Il m'envoyait un message, comme quoi ils avaient retiré la vidéo pour éviter de faire perdre le rodimat et tout.
Et moi, je me suis passé pour un gros booster, etc. Alors qu'il n'y avait rien, tout était fait en live, le gameplay était fait en live. Tout, je peux vous dire, ça m'avait dégoûté. Alors regardez bien ici, je pense que c'est là maintenant. J'avais dit, mon pote me dit, ouais, tu rentreras jamais avec l'arbalète. Et regarde, bas de la fiche, j'ai fait un bethnoscope. Boum! J'ai niqué le mec, quoi. Franchement, c'était juste de l'énorme chatte. Alors par contre, je vais vite regarder, c'est comme d'habitude, c'est regarder où j'en suis. Oh, la manette est plate. Il me reste 1 minute de gameplay, donc ça va. Donc en gros, à 11 minutes 25, je devrais arrêter, plus ou moins. Donc comme quoi, vous voyez que la communauté, ça peut vraiment jouer énormément. Moi, j'espère que ma vidéo vraiment vous a plu, que le petit gameplay est plutôt sympatoche. Ah, j'ai eu un largage de ravitaillement, je pense. On va l'ouvrir pour voir ce que j'ai eu. Faut savoir que dans le largage d'avant, au début de la vidéo, j'ai eu le M1 Polar Vortex. Alors franchement, je suis dégoûté parce que c'est la troisième fois que je débloque. Je veux absolument le M1 Pneur. Jamais une seule fois. Mon pote qui est à côté de moi a joué à Call of pour la première fois. Son premier largage, le M1 Pneur. Je peux vous dire que... dégoûté. Mais dégoûté à vie. Franchement, j'étais là... LOL. Enfin bref, donc je finis sur un 47-6. En face, ils font des scores exécrables. 5-20, 5-25. C'était vraiment abusé. Voilà, sans plus. Donc je toussais vraiment au largage. Donc je sais pas ce que j'ai. Enfin, je sais plus ce que j'ai eu dedans. On va voir tout de suite. Allez hop, on ouvre ça. Allez vite, vite, vite. Ah, là j'ai arrêté la vidéo. Ah bah dommage, j'ai arrêté la vidéo. Bon bah voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Donc sur ce, moi je vous dis bah prenez soin de vous. À la prochaine. Pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, je voudrais vraiment arriver aux 100 abonnés, puis même après voir plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager la vidéo. Je vous dis je vous souhaite de bonnes vacances malgré cette chaleur de malade. Allez, salut les amis.